Yo tout le monde, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War. Où je vous les jette en difficulté normale. Le début de partie fut compliqué. Mais on s'en sort. On s'en sort jusque-là pas trop mal. Alors. Il y avait du mouvement par là-bas, il y avait pas mal de mouvements. On avait pris Rhodes, on avait pris Pergamon. D'ailleurs, on peut voir qu'on peut développer les villes. Et on s'étend tranquillement. On avait libéré Cartli. On va très certainement perdre Phasis. On a pris Samandar. Ok, on verra ça le temps prochain. Ok, Cimérien, il y a les pontes. Ouais, là on a fait une grosse bataille ici, on va attendre un peu. Et eux, je vais les faire aller en fait à Phasis. Ou le mieux ce serait que je lève une armée, je sais pas si c'est faisable. Quelques mercenaires, ouais. Je vais annuler des constructions pour les recruter. Ça devrait tenir. 12. 17, on a 17 contre 16. Bon, il a des meilleures unités, mais on va tout donner pour défendre. Ils attaquent quand même. Hein. Victoire très coûteuse, même pas besoin de la jouer manuellement. Écoute, feignant comme je suis, je vais pas me plaindre. Allez, on réduit en esclavage, ça fait un petit peu d'argent. Toujours ça de prix. Ok, ça se passe bien tout ça. Pas quartier. Ça fait moins ça. Développement, on est sur du développement civil en ce moment. Athanaïs. Oups. Désolé les gars, je vous ai oublié. Hop, ici on peut. Pour chasse et ensuite on discute. Ah ouais. Si on recrute deux supplémentaires. Ça passe. Ah ça passe mais. Victoire de justesse hein. Il a du mal à se relever. On va dire en esclavage. Voilà. Tac. On peut augmenter les compétences du général. C'est parfait. Et puis là, on va continuer notre petit bonhomme de chemin, comme on dit. Hein. Direction Syrac. Et grâce à ça. On aura l'entièreté de la province. Ça c'est bien aussi. Hop, allez. Lui il avance. On va lever une armée de mercenaires, hein, comme d'hab. Établir l'héritage, la figure de 1. Voilà, et vu qu'ils vont vite, on va y envoyer quand même cette armée là pas très loin. En renfort parce que je pense pas que ça suffise hélas. Là ça se passe comment, ça se passe pas mal en vrai. Là du coup j'ai pas eu besoin de renfort, je vais le faire retourner ici. Comment ça tu voles pas d'art les sardes?
Très bien. Bah, le tour prochain, on va les attaquer. Ils sont de retour, les Sardes. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on s'entend bien avec. Hein. C'est n'importe quoi. Hop. On est digne de confiance, toujours pas ouf. Hein. Alors, il va falloir augmenter cette statistique. Et ça passera tout seul. Ah, les pontes, il en reste. Ah oui, il en reste une ville. Et voilà. Allez, révolution en mode agressive. Ça passe tout seul. Je perds un petit peu de mercenaires. Un problème, c'est vraiment pas grave, honnêtement. Ça aurait été des unités bah pas mercenaires. C'est tout, j'aurais fait mais là écoute, quelques mercenaires qui meurent, c'est pas, écoutez, ça évite de, comment dire ça, ça évite tout simplement de payer trop cher le tour d'après, quoi. Allez, on réduit tout le monde en esclavage. Ça, on dissout les unités mercenaires. Ah bah non, les Cimériens. Oh, comment ça, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis pas d'accord. Dégage. Bon. On va devoir aller s'occuper des Colchides. Ça, c'est embêtant. Sinon, toi, tu veux pas, genre, sanitaire. Allez, si tu veux, je suis gentil. Je suis dans un bon jour. Profitez des plaisirs de ça, il va pas vouloir, hein. Je suis en guerre contre un peu trop de gens. On peut dissoudre. Ah, j'ai oublié. Je l'avais totalement oublié, là. Oups. C'est une erreur de ma part. C'est une idiote erreur de ma part. Tanaïs, enceinte sacrée, donc le bétail, voilà, tout ça, on connaît. Voilà. On est bien, là ils sont contents presque. Non, pas encore, mais bientôt. Vous n'êtes pas content, vous allez le devenir. Ça se passe vraiment pas mal. Bon, c'est pas les directions dans lesquelles je dois m'étendre, en vrai. Même pas du tout. Mais bon. Faction détruite. Ponte. Ah, il n'y a plus les pontes. On va chercher les Cimériens. Zut, direction Sarai. Hop, oui, ça c'est bien ça. Voilà, on attaque Iconium. Oui, je sais. Ah. On va attendre avant d'attaquer Iconium. Et du coup, on va les affamer. Ah, ça a monté le ravitaillement. Voilà, oui. Histoire de quoi. Il y a quoi là-bas? Darcy, 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 ok, très bien. Ah, on n'oublie pas de reprendre notre province. Voilà, ça nous appartient. C'est à nous. On l'occupe. Et il n'y a plus de séparatistes. Ça, c'est une bonne chose. J'envoie, j'en profite, hein, j'ai envoyé au Burzis là les lames. En cas où, hein, Massilia va reprendre les hostilités, au moins on sera prêt. Oui, on va faire ça.
Et eux, on va les emmener. On va les emmener à Pergamon. Hein. Il y a de la route, certes. Mais ça, c'est pas grave. Oh oui, les mines. Les mines, les mines. Celui-là me rapporte beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que. Ah bah non, je peux pas. Ce que je vais faire, c'est rien du tout. Si on va toujours développer nos. Wow. On va développer tout ça apparemment. Confédération d'assaut trace. On va attaquer Gélonus. Pourquoi j'ai dit mon nom? N'importe quoi. Ouais. Ouais, c'est des petits tours tranquillement. Hein. Là ça enquille, hein. Ça enquille tout ça. Mettez de côté la guerre un instant. Il est rigolo lui. Il a bouffé un clown au petit déjeuner, je crois. Lui aussi, il a bouffé un clown au petit déjeuner. La guerre blesse les vôtres. Non, non, le tien, t'inquiète. Il n'y a pas de soucis. Vénètes. Les Vénètes sont fait bouffer par. Par Rome, ça a l'air. Ouais, Vénètes par Rome. Du coup, pas trop, mais. Si. Si. Ça va, il m'apprécie. À ma juste valeur. Ou pas. Ouh, j'ai eu de l'entrée d'argent là, je sais pas si vous voyez. Ça fait le plaisir. Pouvoir développer toutes nos provinces, enfin une bonne partie du moins. Voilà, on va souffler les dernières là. Voilà, alors. Ça c'est très bien ça. On s'approche au niveau de Sarai, il y a. On va continuer le siège. Il n'y a personne à Gélonus. Bon, ça pense. Allez-y, on marche forcé, c'est bien. Ils sont bloqués, je sais pas ce qu'ils foutent. Ok. Ah oui, et toi aussi. Vol de la nourriture. Et toi aussi. Voilà. Je me demandais pourquoi il bougeait, mais ça y est, je viens de me rappeler maintenant. Je viens de me rappeler pourquoi il bouge. C'est pour défendre les frontières au cas où notre ennemi Massilia se remette à s'énerver un peu. Ouah, champion niveau 9, bien. Cause naturelle, va falloir commencer à. Oh, il va vite falloir commencer à les marier. Si ce n'est pas trop tard déjà. Petit mariage, non? Petit mariage, oui. Mariage, ils sont pas jeunes, hein. Et j'aimerais bien l'adopter elle. Allez, plus de chances d'avoir des enfants, allez, allez, allez. Pour mes crayons, oh, quelle idée aussi. On a pas mal d'argent, hein. On va construire encore, phase 10. Anaïs. Ben ça va vite. Hein. Oula. On va facile cette Anaïs. Après j'ai quand même bien construit. Hop. On arrive, on sort en plein hiver, c'est pas génial. On a une double encerclement. On a un double encerclement, je veux dire. Et là je vais faire ça tomber. Je vais faire tomber ça de suite. Je crois que c'est deux seules villes que les Conchites possèdent encore. Ah yes, Imperium le rend dessus. Et du coup on va les faire mourir de faim.
On va les affamer tout simplement. Ah bah non. Ah, les colchides qui... Ouais, les bactéries devraient finir, mais quand même. Normalement. Au bout d'un moment, ça devrait être bon, hein. On a pas besoin de 36 milliards de trucs là, c'est embêtant. Ah, j'ai pas de niveau, ça m'intéresse pas, et ça on verra le tour d'après. Ok, j'ai pas une autre armée qui traîne dans le coin. Ouais, je peux enlever une là, ouais, allez, on va se rapprocher au cas où. Très certainement avoir besoin de mercenaires à un moment ou un autre. Ah oui. J'avais c'était Svebia, je crois. Svebia qui me rapporte beaucoup. Surtout surtout dans les périodes de récolte, hein, mais ça rapporte pas mal. Allez, merde. Navigateur, oui, bah, navigateur pour quelqu'un qui prend pas la mer, c'est pas génial. C'est une erreur de ma part, ça. Ça m'apprendra à aller trop vite. C'est pas grave. Accord commercial. Ben voilà. Il a accepté au bout d'un moment. Cette guerre inutile peut finir aujourd'hui, mais seulement si vous voyez les choses telles. Eh ben, non. Fallait y réfléchir deux fois avant de m'embêter. Il est en train de se dire maladie. Ah, la fureur de Boba Fett qui est malade. Très bien. Unité, ok, il reste là. Pourquoi pas? Je vais le rester là, dans un endroit paumé, hein, y a pas de problème. Hop, on va faire ça, on va faire ça, et on va faire ça. Où est-ce qu'ils vont déjà? Ah oui, je leur avais dit d'aller, sinon bah, allez. On va dire d'aller s'occuper d'eux là-bas avant. Les Sardes, c'est pour bientôt normalement, non? Allez, un tour. Le prochain tour, les Sardes, on est bon. Ils veulent toujours pas faire de gosse, quoi, c'est pas vrai. 35 ans, ouais, mais je peux pas le marier, je sais pas pourquoi. Pareil, je peux pas le marier. Elle est 3G. Faut que je réussisse à l'adopter, mais il me faut de l'autorité. Il a pas d'autorité. Tu m'étonnes, il a pas d'autorité. Ouais. Développer les villes. Et on va croiser les doigts. Hein. Petite taverne. C'est bien ça. Ils sont contents les gens avec une taverne. Hein, il y aura de quoi boire, il y aura de quoi se défoncer la goule. Comme on dit chez nous. Qu'est-ce qu'on peut sortir des conneries? Ça qui est bon. Nous offrons ceci en signe d'accord. Pas. Bon, ils voient qu'ils sont dans la mouise, hein, pourquoi les couillons, hein. Ils ont plus rien à perdre à faire ce genre de proposition. Ah, colonie fermée, ça c'est bien ça. Maladie, oui, tu m'étonnes. Voilà. Hein? Si on rencontrait Cantabre et Nova à Carthago. Oh, ça se fait... Ouf. Oh, ils prennent cher ici. Hein. Oh, ils prennent cher les Romains. Alors, Massilia, ils sont bien refaits là au niveau de la Gaule, mais. Les Romains, ils ont pris tarif. Hein.
Ok, lui il a pas bougé. On va. Ah bah zut, j'ai un espion camerounais. Avec les sardes et en plus ah bah non il manque Samosata ah, il manque ça oui non c'est allié donc c'est pareil c'est comme si et je vais recruter un nouvel agent. J'aurai de l'argent. Effectivement, si on n'a pas d'argent, on va pas recruter d'argent. Ça risque d'être compliqué. Mais il m'offre le double à chaque tour. Hein. C'est pas mal, hein, en vrai. Mais bah non. Ouais, j'ai perdu un autre. Ok, la peste elle est chez eux. Ça me va. Ah! Quoi? Je suis en paix avec les Colchides? Comment ça, je suis en paix avec les Colchides? J'ai accepté? J'ai mal cliqué. Bon, j'ai du mal cliqué, ça peut arriver. Hein. Écoutez, j'assume, il n'y a pas de problème. Allez, double bagus tribal ici. On va tout développer là. Ça nous fera encore plus d'argent. Money, money, money. Oui, et puis là je vais aller enquiquiner le. Enquiquiner la Galatie. Alors, faut bien s'amuser comme on peut. C'est toujours en train de se construire là ou. Oui. Voilà, on va aller enquiquiner la Galatie au bout d'un moment quand même. Il nous a bien enquiquiné en. À un moment où. Il n'y a pas que ça affiche. Est toujours plus fort lorsque. Ouais, pas de problème. Pas de problème. Au contraire, l'ami. Bah, ça me va. Hein. Les dieux pleurent lorsque les hommes se battent. Non, ça, ça me va pas. Pouvez-vous nous aider à. Ah, je suis en guerre contre personne. Non. C'est fou, ça. Ça n'était pas arrivé depuis. Certains temps. Encore un mort, mais c'est pas vrai. Ah ouais, puis deux d'un coup, hein, c'est. Ah ouais. Ça déconne à zéro. Aegus, on a les jours, repose en paix, oui. C'est quoi, c'était Samartia? Non, je sais plus où est-ce que c'était. Bon, oh, c'est pas grave. 10 000! Pardon. Ça coûte cher. Une réaction, ça coûte cher. On a 269 de bouffe, hein. C'est énorme. C'est génialement énorme. Le courroux de Sabazios. Je vais les emmener à Sirai. Voilà, les héros de la mort, je vais les emmener autre part.
les emmener ici, tiens. Voilà, on va se déplacer, ça va prendre quelques tours, mais... au moins on sera bien. Oups là, j'ai pas vu. Ça aurait pu finir en bas quartier ça encore, hein. Aïe aïe aïe. L'inattention. C'est mauvais l'inattention. Je vous appelle à prendre les armes contre ces loups humains. Donnez à vos guerriers la chance de se battre. Ça va pas traiter avec moi si, hein. Pas quel genre de traité ils ont avec Rome, mais il est violent. Il faut faire taire ces insolents. Non, ils vont tomber tout seuls. Faut pas vous stresser pour rien, les gars. Allez, dignitaire. Ah merde, j'ai perdu mes dignitaires, ça c'est con, par contre. Je vais recruter de nouveau un dignitaire ici, déjà. Voilà. Il va, je suppose, pas tarder non plus à rendre là, mais. Non, que j'en ai un autre, c'est lui là. Et je vais recruter un autre espion. Très bien celui-là. Très très bien celui-là. Même plus où est-ce qu'ils vont vraiment au premier degré. Je vais... ah oui, ils vont là-bas. Oh là là. Que je vais faire aller là-bas. Comment s'entend-on bien? Ah, j'ai eu des enfants, c'est bien. Pas beaucoup, mais il y en a. Falloir les chérir, hein, ces gamins. L'arbre généalogique, ouais, c'est génial. Ah. Ouais, ce champion, dis donc, il entraîne bien. Ça peut se voir là, au niveau des rangs. Ça c'est du haut rang. C'est bon. Les festins, ouais, ça me va. Hein. Oh putain. 15% de richesse pour un dans deux. Oh, on se met bien là. Okay, deux tours avant l'arrivée, ouais, ouais. Ok, ici c'est fermier. Ici également. Fermier, fermier. Ah, là, c'est rien. Voilà, là on va continuer à voler un peu de nourriture. Ça. Voilà, on prépare notre petite invasion. Tranquillement, tranquillement. On a tout notre temps. Comment dire, il ne sert de courir, mais vous partir à point. Thank you.
Plus de population. On va faire, bah, on va faire une ferme aux céréales ou un marché aux céréales, je crois. Ouais, c'est ça plutôt. Aucun problème. Ça coûte cher par contre. Hein. Oui. Je suis le poignard dans l'obscurité. Hop, vol de nourriture, vol de techno. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Je vais me mettre là. Et je vais me mettre là. Et là, les gars. Ouais, là, je vous dis, les gars, on est bien. Alors, on va faire un petit peu d'accélération quand même. Là, ils sont un peu en retard. Là, hop, marche forcée. Vous allez voir du monde. Voilà. Tour prochain, on commence les hostilités. Et ce tour prochain, je vous propose de le voir demain, lors du prochain épisode. Donc j'espère que celui-ci vous aura plu. Pas de bataille manuelle aujourd'hui, pas besoin. Donc je vous propose de me retrouver demain, pour le prochain épisode. Ce serait un plaisir d'ailleurs, oui ce serait un plaisir. Allez, c'était Tiob. Ciao.